Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, What I Eat in the Day en Savoie. Voilà, je suis allée voir Mimo fin décembre. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous filmer une journée type de ce que je mange quand je suis ici. Sachant que ça fait presque une semaine que je suis là. Mimo, elle travaille, donc moi, entre-temps, je fais ma vie, mes vidéos, mes montages. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais ça aurait été incroyable de voir ça en image là. En fait, il y a Polo qui nous a rejoint aussi. Wouh! Non, mais c'est trop fun. Trop du coup, j'étais toute seule au début de semaine et maintenant je suis avec mon acolyte Polo. Non, mais malade ça celle-là. Fait trop malade. Mal. Ce matin, au petit déjeuner, comme d'habitude, petit café au lait. Vous savez quoi? J'ai ramené de Paris ça. Ouais, non, mais je suis malade, hein. Je suis accro. Ça fait une semaine que je mange cette brioche. Voilà, brioche pépite de chocolat. Et hier avec Polo, on a acheté ça. Qui se souvient de ces gâteaux? Franchement, il en reste que deux. Il en reste deux. Oh, un pour toi, un pour moi. Allez, un pour toi. Un pour moi. On a acheté ça aussi. Miam. Gaufrette, c'est trop. C'est addictif les gaufrettes. Vraiment. Tronche de cake, ça s'appelle. J'avais même pas vu. Tronche de cake. Moi, il y a des petits dessins, mais là, il n'y a pas. Et vraiment, ces gâteaux-là, mais j'en mangeais quand j'étais petite. C'était ma drogue quand j'étais petite. Ah ouais, mais. Et ça se mettait dans des sachets, tu sais, dans des espèces de. Ouais, des trucs durs. Ouais, des trucs durs et que t'enlèves le fil. Ouais. Un peu comme les trucs à la Nutella. Enfin, au Nutella là. À la Nutella. Faut son âge dans la vidéo. Ouais, mais on l'avait fait en Sardaigne, je sais plus. Est-ce que vous dites la Nutella, le Nutella, un Nutella, une Nutella, du Nutella? On mange ça ce matin. Je me suis pété le bide avec ça hier. C'est trop bon, trempé dans le café. Ouais. Vous savez ce que j'aime dans ça? C'est que c'est mou. Aujourd'hui avec Polo, on va aller skier. Mais sachez qu'il n'y a pas de neige. Mimo, elle va pas nous prêter sa voiture. Voilà, je le dis, je le dis. Voilà. Essayez de me défendre en commentaire, s'il vous plaît. Alors que ça fait 7 ans que je conduis. Je disais, il n'y a pas de neige, c'est abusé. Il fait trop chaud, on est quand même fin décembre. Les températures de la montagne là, c'est genre 7 degrés. Tout a fondu. Et du coup, pour skier, bah, c'est pas ouf les conditions. La brioche de tous les matins. Ça, c'est la vie. Brioche pépite. Polo, elle est pas très brioche, hein. Mmh. Polo, elle a mangé ça ce matin. En vrai, j'aime le pain le matin. Le pain? Le pain frais, là. Avec de la confiture? Beurre, miel. Ah ouais? Beurre, confiture. Beurre, miel? Trop bon, meuf. Jamais. Tu fais pas ça? J'ai jamais goûté. Mais non. Non, je te jure. Tartine de beurre, miel, là. C'est le rat, on est là pour ça. J'en ai mangé ce matin en me levant. Ah ouais? J'avais faim! Genre faim! Mais il était 8h, je voulais pas réveiller Polo donc j'ai pas commencé très tôt la vidéo. On trempe comme d'habitude. Une gaufrette, c'est la vie quand même. Tout ce qu'on mange le matin là, c'est tout ce qu'il ne faut pas manger. C'est hyper sucré ce qu'on mange là. J'avoue. Tu manges quoi d'habitude le matin? En ce moment, j'essaie de manger des œufs. Ah oui, tu m'avais dit, oui. Les œufs, c'est trop bien. Ouais, j'ai pris 5 kilos, c'est trop. Non mais c'est vrai. On va finir un petit déj et on va aller voir Mimo parce qu'on va aller chercher nos équipements là-bas. On va travailler là. Bon, les Mimos, on a réussi, on va prendre la voiture de Mimo. En fait, on va dans une autre station, il y a des navettes gratos et tout, mais c'est plus pratique de prendre sa voiture quoi. On se relève comme il n'y a aucune neige. Ouais, il y a zéro neige, attendez je vous montre. Pas de neige. On est un petit peu sur les sommets, mais c'est tout quoi. Mimo, je te promets que je vais prendre soin de ta voiture. En plus, Polo là, elle dit c'est toi qui conduis comme ça, s'il arrive un truc, c'est toi qui prends. Et Mimi, tu conduis mieux que moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment ça va? T'as un nouveau bonnet ça? Je l'ai pas encore mis. C'est un Polo. Quoi, bah c'est ma journée What I Eat in a Day en Savoie. Oh, t'as mangé quoi ce matin? J'ai mangé les soupes qu'on avait. On a rien. De la brioche avec une petite pépite. Non, vous avez bien dormi? Est-ce que des gens sont rentrés dans l'appartement? Non. Moi je dis que je me suis levée en même temps que toi en vrai. C'est vrai? Hey, tu voulais pas me parler? Mimose. Bah bonjour les Mimoses. Hey, j'avoue stylé. Elle est où Polo? Polo elle est là. C'est parti! Trop hâte! Vous voulez voir mon niveau de ski? Je suis nulle!
Merci Paula. On est parti manger, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Du coup, ce midi, c'est salade. C'est une salade au fromage de Saint-Marcellin. C'est ça, Polo ? Ça a l'air incroyable. Incroyable. C'est excellent. Oh, le fromage, il a l'air incroyable. C'est Polo qui m'a incité à prendre ça, mais non, merci quoi. On a pris des frites en plus. C'est tellement bon. Elles sont mal les frites. Je sais pas si c'est maison. Mais il y a de la sauce dans la salade. Je suis en plein kiff. Et si vous pouvez goûter le fromage Saint-Marcellin, c'est super bon. Je connaissais pas moi. On a presque fini la salade. Mais sachez qu'on a eu deux gros bouts de fromage comme ça. Mais c'est beaucoup trop. Enfin, c'est beaucoup trop. On va pas se plaindre. Mais là, on est en train de caler de ouf. Enfin, on aurait pas dû prendre les frites. Non, mais je me suis dit, ça va être des bouts de fromage comme ça, tu vois. Les amis, nous sommes revenus de notre petite séance ski. Écoutez, je suis une catastrophe. Moi, j'aime pas. En fait, je crois que j'ai... Mais non, j'aime pas le ski, j'ai elle peur. Ment. J'ai peur, les amis. J'ai franchement, peur. L'écoutez pas, elle gère, c'est juste qu'elle a peur. Moi, j'ai trop peur. Je vous jure, je sais pas pourquoi, j'ai une angoisse. Je vois la pente, je me dis, je peux pas. Genre, j'ai l'impression que je vais aller tout droit et... Du coup, s'il y a un prof de ski là, dans mes abonnés, faites-moi signe, je vous en supplie. Faites-moi signe, j'ai besoin de quelqu'un. En fait, je pense que j'ai besoin d'une semaine intensive et on me lâche pas, quoi. Il est presque 18h et avec Polo, on boit du café au lait, bien sûr. À l'heure de l'apéro. Ouais, à 18h, j'avoue, c'est de goûter. Bah, vu que j'ai pas pris de dessert, moi, je suis un peu frustrée. Hein. Moi, j'ai pas mon sucré, ça va pas du tout. Au goûter, ça va être ça. Alors, Polo, tu peux nous dire ce que c'est? Alors apparemment c'est allemand je crois, non? Allemand. Mini marzipan. C'est les Stollen là, je sais pas si vous connaissez. Butter Stollen. C'est super bon ouais. Oui. C'est genre du gâteau un peu pâteux avec de la pâte d'amande à l'intérieur. Mais les gars c'est incroyable. Je trouve que ce gâteau est incroyable. Tu prends tout ce que tu veux. Mais tu as l'impression que tu vas manger un gâteau sec. Alors qu'en fait c'est mou. Le petit raisin là, il rajoute un petit tout sucré tu vois. La texture est trop bien. Qui aime les chocobons white? Je suis pas fan du chocolat blanc, mais bon. T'as vu, c'est bon. On sent bien le chocolat blanc, l'intérieur du chocobon. En fait, je crois que c'est vraiment l'intérieur du chocobon, c'est le meilleur. Oh, je vais faire comme toi, Polo. Franchement, je prends le chocobon, je le mets dans ma cuillère et je le fais fondre. Non. T'as la même chose que moi. C'est incroyable. Avec un maltaiseur, c'est quoi? Est-ce que toi aussi tout le tour était mou? Mais oui. Moi c'est pour ça que je trempe tout parce que j'adore quand c'est fondant comme ça. Je vais le faire avec un maltaiseur, sachez que c'est, je crois, mes chocolats préférés. C'est vrai? Ah ouais. Tu m'avais pas dit que t'étais une Kit Kat. Va faire pareil. Tu crois? Non. Regardez, hop, on trempe dedans. Tu crois que c'est prêt là? Mmh. Encore? Ça l'a refait? Mmh. Ok. Un poulet elle le fait! C'est trop drôle! Oh là là, si vous faites ça, mais mettez-moi, franchement, taguez-moi dans vos stories Instagram quoi. Ah ouais, s'il vous plaît, essayez, c'est l'adopter. C'est le conseil pour 2023. Je filme cette vidéo, on est le 31 janvier. Pff, pas du tout. 31 décembre! On essaye. On essaye les M&M's trempés. On est là pour tester. Ouais mais là on est en One Life, hein, je vous explique, on est le 31 décembre 2022, c'est là One Life. Elle vous a dit quoi ce matin? Elle a pris 5 kilos, je sais pas quoi. J'ai pris 5 kilos, en fait depuis que j'ai commencé YouTube j'ai pris 5 kilos. Je vais pas en perdre tout de suite. M&M's. Je suis sûre ça va pas fondre. Je vois fondre là, je le vois. Hein. Tu vois fondre? Bah oui. Ah, putain moi aussi. Bah oui. Le bleu, okay, regarde, le bleu il va dans mon café. Est-ce que c'était assez fondu? Non, je sens que ça croustille encore. Non? Pardon d'elle. Bon bah le pilou, on se dit à tout à l'heure pour le repas, je sais pas ce qu'on va bouffer. On a des œufs et de la ratatouille. Ratatouille, pâte, riz, on verra. À toutes.
On est en train de se préparer. Voilà. Non mais je vais te refaire, je te promets. Oh c'est cool ça. J'ai mis trop... Attendez, parce qu'il y a plus de lumière. Et on a Guigui. Je sais pas si Guigui va apparaître sur YouTube. Guigui, quoi? Guigui, tu vas apparaître sur YouTube ou pas? Ouais. On part sur une salade froide avec du maïs, des restes de tomates, pour les plus costauds. De l'ol del pasto. Épicé. Voilà. On est sur de piment quand même, tu vois. Il faut avoir un petit peu de force en soi. Avec à côté de ça une petite salade pour ceux qui veulent un peu de crème fraîche. Alors, du coup, je suis en train de maquiller Mimo et je l'ai raté. Regardez. Mais non, mais c'est pas raté. Là, c'est raté. Tu l'as enlevé? Bah, tu l'avais mal fait. On recommence. Bon, à toutes. Oh non. Oh non. Non. Putain. T'es belle. On dirait Cléopâtre. T'es archi belle. Petite salade de pâtes les amis, ça a l'air pas mal du tout, hein. Franchement. Attends. Vas-y montre mon nom. Vas-y, un mot pour cette fin d'année. Un mot. Est-ce que tu veux qu'on revienne vers toi? Avenir. Oh. Vraiment pour moi, avenir. Ok, un mot. J'hésite entre amour et chat. Ah rien à voir, t'sais. Mais vas-y, je vais dire c'est chat. Pas. Il faut sauver tous les chats du monde. Okay. Et les chiens, attends, oh. Les animaux. Oui, si, les chiens. Tous les animaux, voilà. Ouais. C'est pour ça que j'allais dire gratitude. Oui. Et non, pas en 2023. Pour moi, 2023, c'est le fun. Ouais. Alors, 2023, pour moi, c'est... C'est hyper spontané comme question, c'est vraiment. C'est pour ça qu'elle n'avait pas sur les pistes. Silence. Plateau, caméra. Pour moi, 2023, c'est réussite. Beau aussi. Je le sens bien, c'est la beau, réussite c'est pour beau, moi. C'est réussite. Réussite que ce soit dans n'importe quel domaine. Dans l'amour. Ouais. Amour, travail, amitié. Regarde le chien. Fun. La vie. La vie. La réussite de la vie. La réussite de la vie. Avenir, réussite, fun, chat. Et chat. Chat. Et vous, quel est votre mot de 2023? Mettez-le en commentaire. Moi, vraiment, c'est mood épanouissement personnel. Mais pas genre, tu sais, en mode fun, en mode fais les choses qui te font le plus peur dans la vie. Genre, c'est bon, tu l'es qu'une seule fois. Vas-y, on y imagine, va. Imagine 2023, c'est ta dernière année. Genre, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Ouais. Fais les choses qui te plaisent. Grave d'accord avec vous. Tac, 3, hop. Oh, oh, c'était bien, c'était... Salade de pâtes. Voilà, un peu de déco. Là. Voilà, un voilà. Peu de déco. MC Life. C'est fait à l'arrache. C'est fait à l'arrache avec pour son pour faire navet. Plaisir à Guigui. Guigui a fait un plat ce soir avec tout ce qui nous restait dans le placard. Donc aucun gaspillage, je tiens à préciser. Sachant que vous êtes végé. Sachant qu'on est végé, Polo, moi... C'est tout. Mimo, elle mange juste pas de porc. Oui. Et Guigui, bon bah il mange tout. Oui. Et je vais y rajouter ça, la ol del pasto. Il faut pense à salé poivré. Mmh. Non, il faut salé poivré. C'est un peu qu'à manger. Ça manque de salé poivré. Eh Guigui, avec la ol del pasto, c'est incroyable. Avec la ol del pasto, ouais. Avec la four. Mmh. Mmh. Dans la salade, il y a champignons, maïs, pâtes, salade. Quoi, et du fromage de raclette. Ah oui, fromage raclette. La salade de pâtes, elle est bonne. Ah ouais, la salade de pâtes est bonne. Les amis, en dessert. Regarde Mimo. Mimo, elle est en train de bouffer les chocobons white. Elle y va avec conviction, quoi. Elle veut pas en démarrer. Moi, je prends un petit liégeois au café. C'est ma vie. C'est ma vie de café. Mais attendez, vous savez, c'est quoi le... Un peu de la crème, là. Alors, t'en as pensé quoi, Polo? Bah, je connais, mais... J'aurais su bon. Polo, tu manges quoi, oui. Là? Oui. J'ai pas le droit de dire la marque. Mais si, t'as le droit de dire la marque. Okay. Non, mais je sais pas, je me crois chez Squeezie. On est pas sur TF1 en fait. Hein. Je mange un Malteser et c'est les meilleurs. Est-ce que attends, c'est mais quoi? Non, mais attends, Malteser quoi? Non, mais Malteser célébration. C'est quoi vos préférés dans les célébrations? Arrête. Mimo, toi, c'est quoi? Alors, moi, mon top 3, c'est facile. Bounty, Mars, c'est facile. Bounty, Dove Caramel. Oh, c'est trop bon. Caramel qui coule. Non, je mange ça, moi. Attends, y'a quoi d'autre? Je pense que je dirais Mars. Non, des Bounty. Sérieux? J'adore Mars. Je trouve que c'est l'incontournable, tu vois. Mon top 3, Malteser, Twix, Snickers. On est réunis, toutes les trois. Ça arrive pas souvent. C'est vrai que ça, là, c'est hyper rare. Vous allez plus jamais nous revoir réunis comme ça avant. Non, oui, parce qu'on est avant le Canada. J'ai vraiment cette tête. Bah oui, t'es bête. Non, on avait dit Pigaro. C'est une célébration. Ouais, mais à part les coups, j'ai pensé à ça. Eh coucou, j'ai mal fait mon devoir, j'ai pas clôturé ma vidéo le soir où j'ai filmé cette vidéo en fait. Et là je suis rentrée chez moi à Paris, c'était un nouvel an assez agité quand même. Hein. Franchement c'est trop bien amusé, c'était trop cool, j'ai passé un
fêtes de Nouvel An. Enfin, moi, en général, les Nouvel An, je vais vous dire la vérité, je déteste ça. Je déteste le Nouvel An, je passe toujours des soirées horribles parce que c'est jamais bien organisé, ou quand tu organises, en fait, ça se finit pas comme tu l'espérais. J'étais avec les gens que j'aime, et du coup, bah forcément, quand t'es avec les personnes que tu aimes, tu passes toujours un merveilleux moment, n'est-ce pas? Du coup, jeudi, nouvelle vidéo sur la Savoie, vous avez trop kiffé. Je vais rester sur un rythme de vidéos par semaine, comme d'habitude. Oh, mais je vous ai pas dit. Bonne année! Bonne année, bonne santé, plein de bonheur, plein d'amour. Mais oh là là, mais je suis la pire des youtubeuses, vraiment. Oh my god. Bonne année, franchement, j'espère que cette année 2023, comme j'ai dit, ça va être plein de réussite, plein de fun. Comme a dit Mimo, épanouissement personnel. Pensez à vous, recentrez-vous sur vous. Vous vivez pour vous, c'est hyper important de penser à soi. Je le prône, je le dis. J'essaye de l'appliquer, c'est difficile, mais j'essaye au quotidien de l'appliquer parce que bah voilà, moi j'ai des phases où je suis triste aussi, hein, ça arrive. Essayez de faire tout ce que vous aimez en 2023. Vous posez pas trop de questions, vraiment. Genre, allez-y, foncez, foncez, foncez. Regardez, moi j'ai foncé pour YouTube, j'ai foncé sur plein de choses. Même quand on m'a dit, Myriam, cherche pas, t'y arriveras pas. Regardez où j'en suis, c'est génial. Bon, j'en suis encore loin, mais j'y arrive petit à petit, vous voyez. Mais voilà, je fais aujourd'hui quelque chose qui me plaît. Je suis heureuse de faire ça, je suis heureuse de vous partager tous ces moments. Je suis heureuse de vous avoir. Et pour rien au monde, je reculerai. Et même si ça marche pas, eh ben au moins j'aurai eu un instant de bonheur avec vous. Bonne année et vraiment kiffez votre vie, s'il vous plaît, c'est trop important. Kiffez, 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 kiffez. Prenez chaque instant de bonheur, kiffez un max. J'espère qu'on va continuer à kiffer ensemble encore pendant longtemps. En tout cas, je ferai tout pour, vraiment. Je ferai mon maximum pour vous apporter plein de bonheur et plein de positivité et plein de gratitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Positivité, joie de vivre, bonne humeur et comme dirait Mimo, gratitude. Love you.